Bon, tu vas lui dire ou pas? Non mais tu... tu parles de quoi? Je vois pas ce que tu veux dire, Cassandra. Oh, c'est bon, Justine, me la fais pas à moi, je suis ta meilleure pote. On fait des compétitions de natation, ça fait au moins 3 ans qu'on les fait ensemble. Et j'ai très bien remarqué que t'avais un crush sur lui. Mais n'importe quoi, moi un crush, mais pas du tout. Non mais pas à moi, pas à moi, Justine. En plus, on vient ici 2 fois par semaine. C'est bon, si tu mets un râteau, c'est pas grave. Au moins, t'auras essayé. Non mais imagine, il me met un râteau, mais genre vraiment, je rigole pas. Bah ce serait grave gênant ensuite, justement, de se voir 2 fois par semaine ici. Mais non, et alors? En plus, on est en 2022. En 2022, les femmes, elles sont fortes et indépendantes. Elles peuvent faire le premier pas. Va le voir, parce que tu vas le regretter après. Ouais, en fait, t'as raison. Tu sais quoi? Je vais aller le voir, je vais lui demander son numéro, lui demander s'il est célibataire et s'il veut aller boire un verre avec moi. Ça, c'est une méga idée. A few moments later. Je sens plus très motivée à aller le voir là d'un coup. Ça fait 2 heures qu'on nage, ça fait 2 heures la séance là, elle est finie. Et t'es toujours ici. Non, non, je suis pas une poule mouillée. Si, je vais aller le voir là, t'inquiète. Ouais, sauf que là, comme tu peux le constater, bah il a fini, il est en train de partir. Oh, quel dommage. Bah tant pis, il va falloir que je lui parle une prochaine fois. Ouais, c'est ça, une prochaine fois, comme tu dis. Attends. Attends, là t'es en train de me dire que ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. Que c'est le grand jour J pour notre chère joueuse internationale Justine, championne de natation, qui va enfin faire le premier pas pour aller voir ce bel inconnu et lui demander de sortir avec elle. Ouais, c'est ça, là je suis ultra motivée, je te jure, là il vient, je fais mon plus beau sourire, je vais le voir, je lui demande son prénom, je lui dis bah écoute, hein, moi je m'appelle Justine et puis ben j'ai un crush sur toi, si ça te dit on va boire un verre après notre séance de natation. Je te jure, je vais le faire, je te jure, là je suis ultra motivée, c'est bon. Donc tu m'expliques quand même un truc, comment ça se fait que depuis la dernière fois, là, c'est vrai que je te sens ultra motivée, mais qu'est-ce qui a changé réellement? Bah, je te dis, mais te moque pas, j'ai regardé des tutos sur YouTube et voilà, ça m'a motivée, mais il devrait déjà être là, il est jamais en retard normalement. C'est vrai que maintenant tu le dis, ce mec n'est jamais en retard, et là c'est vrai qu'il n'est pas là. C'est trop bizarre. En fait, j'ai l'impression que le destin joue contre moi, c'est pas possible. A few moments later. Non mais t'inquiète, je suis sûre la prochaine fois il sera là. Ouais, c'est pas grave, hein. Tant pis, c'est que ça devait pas être le bonjour. Ah bah je crois que ma mère elle est arrivée. Dis, tu rentres comment? Tu veux que j'attende avec toi? Ah, c'est gentil, mais tu vas pas faire attendre ta mère. Moi, il y a mon père qui doit venir, mais bon, comme il finit le travail des fois un peu plus tard que d'habitude, bah il est pas encore arrivé. Mais vas-y, hein, t'inquiète. Bon bah dans 2 jours, hein, comme d'habitude, vas-y, ciao! Bon, je vais aller faire un tour, moi, aux toilettes, et puis je vais aller attendre mon père devant. J'espère que mon père, il est arrivé. Toujours pas. Oh! Mais c'est lui? Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Je suis en retard à mon entraînement, j'ai 2 heures de retard. Non mais c'est pas de ma faute si j'ai fait tomber mon mascara sur mon t-shirt tout neuf. Mais t'avais juste qu'à changer ton t-shirt et j'aurais pas été en retard. Non mais tu comprends pas, c'est un t-shirt en satin. Si je le nettoyais pas tout de suite, bah il était foutu. Et franchement, c'est un Christian Dior qui vaut 350 euros, donc je pouvais pas me le permettre. Vraiment, t'es chiante à être matérialiste comme ça. Ah c'est bon, tu m'as saoulée. De toute façon, si t'es pas content, c'est la même. Ça sert vraiment à rien de parler avec toi. À chaque fois, faut qu'on se dispute. J'en ai marre. De toute façon, là, j'ai 2 heures de natation rattrapée. J'y vais parce que sinon, je suis pas rentrée de la soirée. Allez, à plus. Ouais, c'est ça. Casse-toi. C'est bon, j'en ai marre. Oh non, je rêve ou je viens d'assister à une querelle de couple juste là. Mais ça veut dire en fait qu'il a une copine? Mais surtout sa copine, je la connais. Oh! Mais c'est Stacy, c'est la fille ultra populaire du lycée. Oh non. Oh, faut que j'appelle ma pote tout de suite pour lui raconter ça.
Ça fait un mois que tu les as vus se disputer sur le parking et t'es toujours pas allé le voir. Oh mais meuf, je comprends pas. Pourquoi tu voudrais que j'aille le voir ? Je l'ai vu se disputer avec sa copine sur le parking. Ça veut dire qu'il est forcément en couple. Donc j'ai rien à... Enfin, tu veux que je fasse quoi ? Je vais pas briser un couple ou quoi ? Et puis même, il va me dire d'emblée. Mais t'as vu sa meuf ? Elle est... Mais c'est la plus populaire du lycée. Jamais de la vie, il va poser un seul regard sur moi. Mais justement, meuf, tu les as vus se disputer sur le parking. Ça veut dire qu'il y a un problème dans leur couple. Ou ça se fait, ils sont même plus ensemble. Vas-y, tente ta chance. À quel moment tu peux dire qu'ils sont plus en couple ? Regarde, il est H24 en retard depuis ce jour-là. En plus de ça, je le vois tout le temps avec elle quand on sort de notre séance de natation. C'est qu'ils sont forcément toujours ensemble. Enfin, pourquoi elle viendrait le chercher comme ça tout le temps ? Réfléchis, Justine, réfléchis. Est-ce que tu les as déjà vus ensemble au lycée ? Ça se fait, je sais pas, ils ont peut-être des problèmes dans leur couple justement actuellement, ou bien ils... Je sais pas, ils sont peut-être même plus en couple, on n'en sait rien. Donc pourquoi tu... Bah au moins, essaye de lui demander. T'as peut-être raison, mais en attendant, faudrait qu'ils viennent quoi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le prof de natation, il va nous mettre en plein cours et lui va venir en plein milieu, j'aurais même pas le temps d'aller lui demander. Tu vas voir, moi j'ai des prémonitions de dingue, tu sais ma mère elle lit dans les cartes, bah moi je lis pas du tout dans les cartes, mais je suis sûre aujourd'hui il va venir et je suis sûre aujourd'hui tu vas aller lui demander. Ah bah tiens, y voilà. Non mais c'est sûr, ta mère elle t'a transmis son don, c'est pas possible. Comment tu savais qu'il allait venir ? Allez là, au lieu de perdre ton temps, va le voir. Va le voir maintenant, avant que le prof il arrive. Mais je vais mourir de honte. Comment tu veux que j'aille l'aborder ? Je veux rien savoir. T'y vas, go girl. Allez, j'y vais, c'est bon, je suis motivée. On y va. Salut. Salut, t'as besoin de la douche ? Non, pas exactement. En fait, je voulais juste savoir si ça t'intéresserait de... d'aller manger un bout après la séance de natation ? Ah bah, bien sûr, avec plaisir. En plus, j'ai souvent la dalle après ces séances, c'est que ça creuse quand même. Sérieux ? Non, c'est... Ok, bah écoute, ce qu'on fait, c'est qu'après la séance, bah on s'attend devant et on va manger un bout, quoi. À plus tard. j'ai trop la honte. Non mais arrête, honte de quoi, j'ai tout entendu. Bon, c'est vrai que t'aurais pu au moins te présenter et lui demander son prénom, ça aurait été une bonne chose. Mais je suis fière de toi, je suis contente et franchement j'ai trop hâte. Donc faudra trop que tu me racontes ça. Bon moi je vais rentrer, hein, ma mère elle va me chercher comme d'habitude après la séance. Mais tu m'appelles après et tu me racontes tout, je veux tout savoir. T'inquiète pas, je te raconterai tout. T'appelles direct après, comme tu dis. A few moments later. Je pense que je suis la première à avoir fini de m'être préparée. Bon, je vais l'attendre devant. Mais c'est Stacy ? Là, je pense que c'est un peu trop pour moi. Non, c'est pas. Non, je vais annuler. Je vais aller la voir. Je vais lui dire que finalement, qu'elle lui dise que je suis pas. Je suis pas dispo finalement, c'est trop bizarre. Allez, prends ton courage à deux mains. Salut Stacy. Salut, est-ce que genre on se connaît? Non, désolée, je m'appelle Justine et je voulais juste te dire que ben, quand ton copain il va sortir, dis-lui juste que ben, j'annule tout, d'accord? Voilà, t'as juste à lui dire ça. Bonne journée. Trop bizarre cette meuf, j'ai pas compris. A few moments later. Ben en fait j'ai annulé. Comment ça t'as annulé? Enfin, tout allait pour le mieux et là tu me dis t'as annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait je suis sortie et devine avec qui devant? Ben il y avait sa copine Stacy et je me suis dit ouais non là ça devient un petit peu trop cringe pour moi et... Et non, franchement, j'ai pas pu. Pendant un moment, j'ai douté, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, mais... Et puis, je suis allée la voir et je lui ai dit, bah écoute, non, c'est... Tu diras à ton copain que j'annule tout, mais je vais pas donner plus de détails parce que je veux pas te briser de couple ou quoi que ce soit, je voulais juste qu'elle lui passe le message. Elle avait pas forcément besoin de savoir
plus que ça. Enfin, je sais pas, franchement, des fois je me dis peut-être que j'aurais dû lui dire. Non, jure, il a fait ça. Non, je te crois pas. C'est pas possible. Il a l'air tellement gentil, ce garçon. Si, si, je t'assure, il y avait sa copine devant, franchement. Je suis d'accord avec toi, elle a l'air si gentille, mais des fois les apparences elles sont trompeuses, donc faut faire attention. Donc tant pis, faut vraiment que je passe à autre chose, faut que je me trouve un autre crush. Mais ouais, non, faut que j'arrête là, faut que j'arrête de... Mais franchement là, je viens plus... là pendant toute la semaine, je suis... Allez, on va sortir l'excuse des ragnagna, je n'irai pas à la natation. C'est mort, j'ai pas envie de voir sa tête, j'ai peur de l'affronter là, je t'avoue. Mais meuf, de quoi tu parles? T'as rien à affronter du tout. C'est lui le salaud dans l'histoire, c'est pas toi. Ouais, t'y vas un peu fort là quand même. C'est quand même moi qui allais vers lui au final. Donc j'étais censée quand même le savoir. Je l'avais déjà vu Stacy dans sa vie avant. Dans tous les cas, tu te prends la tête pour rien. C'est quoi? Franchement, passe à autre chose, t'as raison. Parce que c'est pas une bonne personne pour toi. Au moins, cette semaine, je veux pouvoir me taper toute la saison de Emily in Paris, à la deuxième saison qui est sortie sur Netflix, donc je vais regarder ça. Vas-y, je te laisse, bisous, bisous. Ça fait 2 semaines que je rate la natation, mais là, je suis vraiment obligée d'y aller. La semaine prochaine, il y a un championnat. Faut que je rattrape tout mon retard, faut que je me remette en forme, là, ça va plus du tout. Bon. Salut. Salut. En fait, je t'attendais pour être honnête avec toi. Quoi? Tu m'attendais, mais pourquoi? Je comprends pas. Faut dire que la dernière fois, tu m'as posé un sacré lapin et depuis, je t'ai pas revu. J'essaie de demander à ton amie si elle pouvait me donner ton numéro, mais elle a refusé et elle a pas voulu me dire pourquoi. Ah. Tu sais, je suis pas le genre de fille à briser des couples, et quand je suis sortie de la piscine pour t'attendre, j'ai vu qu'il y avait ta copine sur le parking, et pour être honnête avec toi, j'ai pas voulu détruire peut-être votre couple. Non mais attends, c'est... Ah, non, tu rigoles vraiment pas là, c'est sérieux ce que t'es en train de me dire? Bah ouais, mais je comprends pas pourquoi tu rigoles, c'est pas drôle. Tu te méprends, puisque en fait, Stacy, c'est pas ma copine du tout. Au contraire, c'est ma demi-sœur, donc non, on n'est pas en couple. Oh my god, je me sens tellement gênée là d'un coup. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est parti d'une bonne volonté finalement, mais tes 2 dernières semaines, je suppose que t'es pas venue à cause de cette situation. Je comprends à ta place, je sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être pas aussi bien que toi finalement, mais du coup, vu qu'on s'est pas vu et qu'on a quelques jours à rattraper, si tu veux bien et si ça te dit toujours, après notre séance de natation, on peut aller boire un verre ensemble. Mais avec grand plaisir. Mais avant tout, j'ai pas vraiment l'habitude d'aller boire des verres avec des inconnus, donc je suis dans l'obligation de te demander ton prénom. Oh non, j'ai vraiment l'air d'une malpolie, je me suis jamais présentée. Je suis vraiment désolée, je m'appelle Justine et toi, tu t'appelles comment? Comme quoi, le destin fait bien les choses, je m'appelle Justin, enchantée Justine. Je suis vraiment tombée sur mon âme sœur, c'est un signe, c'est pas possible.